Ah, mon fleur. Oh là là. Ça y est, on y croit. Excusez-moi. Bonjour à toutes et toutes. Pardon pour le faux départ. Aïe, 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 aïe. Attendez, on y croit. Alors, j'ai le dit chapeau de cow-boy. Je sais pas comment je vais faire pour le porter parce qu'il est... Il est rigide, il est costaud. Attendez, voir, je sais même pas s'il y a un sens. Si, le sens c'est comme ça. Alors, je mettrai pas la gordette parce que ça va pas m'aider, mais... Je suis censé être un cow-boy. Je suis presque trop prêt par rapport à la caméra pour pouvoir... Faudrait que je mette des patounes derrière mon crâne pour mon confort. On va y arriver. Minute papillon. Voilà. On va dire que je repose un peu les cervicales. Le... Ah, attendez. Voilà. Oui, c'est pas mal. Et la manette. C'est le bazar. Bon, je disais, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va fort bien. Bah, j'ai fait avec mon gros dodo, moi. J'ai fait une bonne nuit de 9h. Bah alors, j'arrive à être cow-boy, moi. Je sens que le chapeau va me tomber sur le pif. Si vous allez me retrouver, pompe. Vous verrez plus mes yeux. Alors... Donc ce matin, trilogie Golden Axe, peut-être même entre guillemets quadrilogie, j'y reviendrai à la fin, vous comprendrez pourquoi. Oui, on peut pas faire plus que... Oui, d'accord. Tac, tac, tac. Beginner, arcade, arcade. Et j'aime bien jouer le nain. Et sachez que je connais pas du tout le 2 et le 3. Le 2 et 3, je vais totalement découvrir avec vous tout à l'heure. Et le 1, je le rappelle, j'ai jamais réussi à gagner. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai fait quand j'étais ado. J'ai eu la chance d'avoir la Mega Drive. Je me répète, hein, mais pour ceux qui arrivent sur la chaîne qui ne me connaissent pas. Ou qui regardent les rediffs, évidemment. Ah oui, merci pour le score de rediff. J'en reviens pas, moi. Ça m'est passé sous les yeux en semaine. Là, j'ai vu que parfois, je suis à la centaine de visionnages pour une vidéo. Merci à vous, ça fait chaud au cœur. Je suis content que je puisse vous divertir. Alors attendez. Ah ! Donc le week-end est bienvenu. Moi j'ai eu, on va dire, une semaine forte en émotion. En émotion. Avec un membre de ma famille qui s'est fait urgemment hospitaliser, mais ça s'est bien fini. Entre autres choses, là le week-end je vais les savourer comme le précédent. Besoin vraiment de me recharger les batteries et les idées surtout. Donc du coup, par rapport à la chaîne, j'ai ma petite routine de semaine. Que là j'ai beaucoup moins observé. Je me suis quasiment pas revu dans mes ralentis du week-end précédent, pas le temps. Alors certes j'ai validé le coup du chapeau, les points, mais j'ai pas lancé le suivant. Ça urge pas. Attends, j'ai un bug de manette moi ou quoi? Ah oui, si je mets le doigt sur la gâchette, je vais avoir un problème. Je suis en retard un peu dans le... Je sais même pas d'ailleurs si la commande agenda est à jour sur ma chaîne. Oh oh oh, attends, mais j'ai un truc qui va pas sur la manette. J'ai le personnage qui se déplace tout seul. Oh, j'espère que mon... Mesdames et messieurs, voici votre programme. Oui, ma commande est pas à jour. Ma commande est pas à jour. C'est pas ça. Et je suis comme un Aerostar, j'ai un problème avec ma manette. Putain, merde. Bon, allez, magie du démon, là. Il m'énerve, les deux, là. Faut que je les tienne au jus. Oui, j'ai l'air, tant qu'on est encore en petit comité, je suis ravi aussi hein, de ce qui t'arrive, Olive. De ce que tu nous avais témoigné chez Cadeau Anthony, là, d'un point de vue professionnel.
Évidemment, je te souhaite que le meilleur. C'est cool. Mais il va en haut, j'en ai rien à péter. Mais... Oh, si maintenant il faut que je calibre ma manette avant de lancer le direct, j'ai... il va falloir une heure avant de prendre l'antenne. Le temps de tout régler. Alors... Allez, village tortue. J'ai le chapeau qui est en train de me tomber sur le pif. Aïe aïe aïe. Mais là, par contre, le chapeau cow-boy, autant il est dense et il fait son poids, il est moins douloureux que le chapeau melon. Le chapeau melon, en plus, il me fait suer parce que... Enfin, ça va peut-être le cas d'ailleurs du chapeau cow-boy. Attendons une heure. Mais là, il me fait bien moins mal que le chapeau melon. Que j'ai toujours pas adapté d'ailleurs. Quand je mettrai la main sur de la super glue et de la moumousse... spécial matos informatique que j'ai en rab, ça va me permettre de l'adapter pour le porter plus aisément pendant de longues heures. Histoire qu'on rigole. Bon alors les vilains, vous allez goûter à ma hache. Ce n'est qu'un petit début, ça va prendre du temps, mais c'est déjà cool. Bon bah c'est bien. C'est cool, cool, c'est bien. Wouh! Dragon! Merdoum! Ah! Cochonnerie. Puis c'est le retour des beaux temps. J'ai envie de dire, on va commencer à faire des économies sur le chauffage. Et ça compensera sur l'essence. Enfin, ça peut compenser. Enfin, tu me diras, bref. Ah là là, quelle époque! Je sais plus qui c'est qui chantait, je ne sais pas. Tonton David, justement. Au moins, le soleil brille pour tout le monde. Sans condition. C'est un autre consolation. Allez, tu vas goûter du tranchant, dommage. Allez, file-moi haché. Barbare. Twing, twing, twing. Oula, 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 ah là là. Ah, puis les premiers squelettes. Ah, les premiers squelettes. Je les aime pas, les squelettes. Ils ont un... Ils sont terribles. Aïe, 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 aïe. Ça te chante. Allez, barre-toi le... Oh. Bon bah, je garde mon dragon. Je vais chercher une touche pour me barrer du dragon. Alors c'est bien le petit vert là, de nain. Il donne la bouffe pour augmenter les barres de vie, mais je suis déjà au plein. Si ça avait été avant, ça m'aurait bien arrangé. Et puis en plus, je suis plein au niveau du... en fait, je fais ça pour le fun. Allez, sadisme envers les nains là. Quelle horreur! Ah là 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 là. Zon 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 zon. Ah! Ah, cette violence! Ah! Oh, j'en perds mon chapeau. Oui, j'en perds vraiment mon chapeau. Attends, je peux pas tricher? Il n'y a pas de chrono dans le jeu, hein, y a pas... non, ça va. Attends, j'aimerais tricher au niveau de la profondeur du chapeau. Ouais, pas mal. Oh d'ailleurs, en parlant de... Merde, j'ai oublié la touche chaud. Merde, merde, merde. Continue, oui, yes. Attends. Attends. Comment je saute? Merde, c'est la magie, on le compte. Bon, on... Hein, j'ai des trucs de nain. C'est nain. Mais non! Oh, faut qu'il court peut-être. Ah oui, mais non, mais je le maîtrise pas, le mec. Bon, bah, j'ai tout faux. Comment perdre bêtement des vies?
Je vais peut-être la recommencer. Autant je vais faire les trois à la suite. Autant le 1, je vais peut-être le refaire là parce que j'ai besoin de me décongestionner du matin, on va dire. Aïe aïe aïe. Je fais n'importe quoi. Je vois peut-être un autre perso, tiens. Peut-être la madame parce qu'en fait, elle a un niveau de magie accumulé. Elle est redoutable. Quand elle fait le grand dragon, c'est génial. Oh 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 oh. Trop bien, comment j'enchaîne. Ah merde, c'est lui qui est mort. Ah, j'avais pas que ce soit l'autre. Non, non, j'ai un truc qui va pas à la manette. Merdoum. Attention les gosses. Attention les gamins. Je suis dans une nostalgie des types dance des années 90. Bah, je sais ce que t'avais fait il y a pas si longtemps que ça, Olive, avec Morbo. Il faudrait que je me fasse une session dans la semaine à venir, je sais pas quand. Je sais pas, ça me manque. Ça me rappellera mon adolescence, des bons moments. Puis si ça pourrait me permettre de rythmer mes journées, ce serait bien. Oui, pareil, dans le coup de l'évolution de la chaîne, à coup de petite retouche. Merde, je me fais exploser. Tiens, allez hop, bouffez ça. Là, vous voyez le compteur du en haut à droite en rose du tableau mystère qui... Oh non, on continue. Oh putain, la vache. Que j'ai toujours pas corrigé. J'ai pas remis mon pif dans mon code de l'application que j'ai développé. Merde. Non, non, j'ai un problème avec la manette là. Il y a un truc qui est bizarre. Bon, j'ai déjà récupéré ma vie, c'est déjà ça. Je peux récupérer un peu de magie. Magie. Tati. Qu'est-ce qu'il te pense d'air? Merde. Ça veut dire quoi le 4170? Je sais pas. C'est bizarre. L'altitude peut-être. On a 4 km de hauteur, mon dieu. Allez, ça. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne technique. Non, faut pas qu'il me passe ça derrière. Merde. Ah, la gueule de bœuf. Voilà. Oh, ça fait bizarre de voir les éclairs, l'animation dans le vide là. Ah, putain, trop rigolo. Ah, la zone des squelettes. Oh, qui sont chiants les squelettes. Ah oui, par contre, il y a un truc que j'ai monté hier soir. J'ai préparé une scène pour... Attendez, pardon. Je me permets de faire pause parce que j'ai vu mon téléphone bouger et j'ai peut-être reçu un message de la famille. Ah oui, alors attendez, excusez-moi. Exceptionnellement, parce que ça peut être potentiellement urgent. Tac 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 tac. Ok. Ok. Alors attendez. Pardon, c'est vraiment exceptionnel. Tac 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 tac. Hop là, voilà, ça c'est fait. Allez, on reprend. Pardon, pardon. Ah, j'en perds mon chapeau.
Une petite minute, ouais. Par rapport à la pêche. Histoire de pas faire voilà, saturer le chat avec les. Parfois mes pavés. Quand on loupe justement sa prise, comme on vient de le voir. Loupé Olive. Ah! Viens par ici, mon fournisseur. Qui me fait tourner en bourrique là. Merci. Oui. Oui, donc je disais. Je me suis monté une scène hier nouvelle sur ma chaîne qui va être le jeu Gartic Show. Alors le Gartic Show, contrairement au Gartic Fun vis-à-vis de ma chaîne, je vous le proposerai pas en boutique. Le Gartic Show, puisque c'est moi qui dessine exclusivement et vous qui devez deviner ce que je dessine le plus rapidement possible dans le chat. À l'inverse justement du Gartic Phone où tout le monde participe au dessin. C'est moi qui vous le proposerai de temps en temps en bouche-trou sur l'antenne. Je trouve que c'est pas plus mal que je me laisse un peu les deux modes de consommation, on va dire, des petits jeux sur l'antenne. Donc peut-être qu'on s'en fera un ce week-end, je sais pas quand, on verra. Merde, homme. Oui, donc avec mon agenda qui est pas à jour avec la commande. Cet après-midi, Tomb Raider 3, normalement hein, je crois. Je sais plus ce que j'ai en tête. En plus, Tomb Raider 3, je suis coincé sur une épreuve de réflexe. Qui est assez punitive d'ailleurs. Enfin, vous le verrez. J'ai très envie de vivre les aventures de Lara Croft. Donc cet après-midi, ça va être bien. Ça y est, il est parti vers le haut, le perso, j'ai rien demandé. Oh non. Nous a jamais fait prendre un sandwich. Non. Oh putain. Oh la vache. Ah, les brigands. Quitte à y aller coup par coup, mais... Ah, vache. Ah, merci. Duel avec le squelette qui me les brise là. Voilà. Excusez-moi. Non, ma barre de vie elle est à fond. Hop là, par-dessus le feu. Oh. Ah oui, hydratez le sage. Oui, vous avez raison. Merci bien de me le rappeler. Mais je peux pas ruser. Non, là j'ai la radio. Aïe aïe aïe. Attendez, je vais boire un coup. Oups. Allez, venez par là. C'est la solution. Ah, salopard. C'est lui qui m'allume. Merci. Bonjour, Twinsen. Pardon, j'ai même pas vu ton arrivée. Oh, pardon. Walker de Nancy, oui, tu m'avais salué. Je t'ai même pas vu, mon pauvre. Je connais même pas Lost Viking, tu vois, tu me donnes une référence que j'ai pas. Mais je me demande si je vais pas refaire là ma partie une fois que je serai mort, parce que je suis mort bêtement. J'ai oublié la touche chaud, j'ai fait quasiment bousiller un continu pour rien. Parce que je tombais comme un boulet dans le ravin. Voilà, je vais même pas arriver au grand combat du boss là.
Nul. Ah, ils sont chiants quand ils sont nombreux. Et encore, c'est pas les squelettes. Oui, oui, tu le rajoutes dans ma liste de jeux. Alors que j'en ai déjà 50 milliards. Mais tu fais bien. Ah. Oh, j'allais dire, laissez-moi vous allumer. Merdoum. Alors, j'ai souvenir qu'au Moyen-Âge, le rose, pour les chevaliers, c'était viril. C'était une couleur de mec, plutôt. C'est bizarre que dans le temps que ce soit transformé et que ça ait été attribué à la gente féminine. Ah oui, ça, c'est l'idéal qu'on n'y a plus qu'un, mais voilà, l'autre, il va casser mon... Oh là là, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, c'est dur. Oui, les deux. Non. La portée. Bah. Bah. Non mais je me fais exploser là. Ça me pas la peine. Oh là 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 là. Ah non, même pas continue. Ouais, non, mais je vais en refaire une avec un autre perso. Je vais prendre la madame qui a une jauge de magie de malade. En mon avis, j'ai une mauvaise note. Je vais avoir F. C'est les notes américaines, là. J'ai F. Ah, D. Elle est gentille. Ouais, la dernière fois, j'avais fait B. Putain, le mec qui fait A, plus, là, le max. Bonjour, Chris. J'espère que tu vas bien. Tatata. Je porte. Comme un clown, mon chapeau de cowboy qui tient plus droit sur mon crâne d'ailleurs. Ah là, s'il bouge pas, hein, il peut être bien le chapeau là. Je trouve qu'il s'est bien calé sur mon crâne. Ah oui, déjà 10h, putain. Allez, j'incarne la madame. La madame. Ouais, tu travailles tranquillou, Chris. T'es bien. Non, bah en espérant que t'aies bien dormi. Moi, je sais ce que je me vantais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis content, là, j'ai fait 9 heures de sommeil. Là, je suis bien, là. Là, je suis parti pour faire une journée de jeu en votre compagnie. Je vais servir sur ça, donc. Ah ! Ta-ta-ta-ta-ta. Chabourine, la touche de la manette. Ah, bien. Ouais, pour l'époque, la musique était bien, hein. On était sur Mega Drive, hein, je rappelle, c'est un jeu Mega Drive. Hein. Enfin, la version que vous avez sous le pif. Dragon Sky. Ah, bonjour Dragon Sky. Oh là, merci à vous toutes et toutes d'être là. On espère que ça va bien, toi aussi, mon cher Dragon Sky. Oui, tiens, du coup, j'ai envie de dire, Dragon Sky, que t'arrives à faire de la résistance par rapport à ton pseudo, là. T'avais raconté qu'il y avait, je sais plus quoi, que tu risquais de... De faire interdire ton pseudo parce que c'est réservé aux Pokémon ou je sais plus quoi. Ah, t'es un peu malade, merde. Bon bah, en espérant que tu puisses être de repos aujourd'hui. La 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 la. Bref. Ah là 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 là. Sont belles. Que je puisse prendre l'animal en espérant que mon attaque spéciale ne blesse pas l'animal. Parce que j'aimerais bien le rechevaucher. J'ai essayé de changer mon nom de chaîne. Je peux pas car ça m'a dit que je l'ai fait trop récemment. Ah oui, il faut attendre un délai de 3 mois, je crois.
D'accord. Mais le coup de cette histoire, je sais plus, c'est la société qui revendique ton nom de manière déposée, qui t'a envoyé un mail en disant attention, vous êtes prêt à changer de nom. Ce genre de truc, j'espère que ça m'arriverait pas. J'ai pas déposé mon nom, moi le sage de Nancy. Même mon nom d'artiste, justement, parce que le sage de Nancy, je me permets de vous rappeler que c'est le contraire de mon pseudo d'artiste en musique électronique qui est DJ Psycho from Nancy. Puisque mon œuvre à la base, c'est basé sur la folie. Mes œuvres musicales, la folie humaine, on va dire, sous toutes ses formes. Et j'ai rien déposé, moi. Je fais ça gracieusement, gratos. Alors si en plus il faut que je dépense des sous-sous pour déposer mon nom et être protégé, non. Voilà, soupir. Merde, boum! Bah alors, pour tout dire, oui, si tu trouves que le portage Xbox est cracra, c'est parce que moi j'ai joué sur PC, comme tu vois l'entête de mon signal, enfin de mon habillage en haut de l'écran. Je suis sur l'émetteur Mega Drive de Steam. J'ai acheté il y a longtemps, j'ai pu m'offrir la comment on appelle ça, la collection des jeux Mega Drive. Là, je sais plus, j'ai une trentaine de jeux, les grands classiques quoi. Et le rendu est, oui, possiblement meilleur. Mais ils ont fait un truc magnifique dans ce programme-là, sur Steam. C'est qu'ils ont... Là, parce que mon ordi n'est pas très puissant, j'ai lancé le simple lanceur. Le truc en 2D. Mais il y a un environnement 3D, normalement. Où vous vous retrouvez dans une chambre virtuelle. Vous pouvez gérer vos jeux sur l'étagère. Avec la Mega Drive de l'époque modélisée en 3D, on s'y croirait quoi. Et puis c'est bien, en fonction des heures de la journée, on voit à travers la fenêtre le soleil ou la nuit, les lumières de la ville. C'est un truc vachement bien fait, c'est très bon. Ce bug du sprint de la madame, c'était rigolo. Je sens que je vais faire usage de mes... Ce serait gâcher le niveau 1 avec les 3 premières potions. Ah, elle me court sur le haricot, celle-là. Mmh. Merde. Eh oui, la prise en sandwich, elle est mortelle. Et voilà. Ah. Je fais comme elle. Attendez, Je vous lirai une transition là parce que l'action est intense. Ah! Elle est morte, la vilaine! Mmh. Tu voulais mon stock? Rendez-moi mon stock! Mon stock! Ok. Ah oui, déjà les potions. Ah oui, les potions plus! Potions bonus! Oui! Ah, c'est bon ça. Hier soir, j'ai joué à Journey sur PlayStation 4. Je l'ai fini en 2h30 de direct. Ah, oh, faudrait que je te revoie dessus. Faudrait que je regarde ta... C'est très relaxant, Journey. C'est magnifique. D'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc sur Journey que vous savez peut-être pas. Au moment de son développement. C'est une très belle histoire derrière Journey. Oh, génial, j'ai fini... Les 10 ans du jeu. Ouais. Alors... Journée, je vais essayer de vous le dire tout en me concentrant sur le jeu. Il faut surtout pas que je sois là. Ouah, sinon je crève dans le... Ah ben. Très bien. Alors attendez, je vais passer le truc où j'ai perdu tous mes continus qui est ici. Hein. Voilà. Wouhouhou. Je me suis fait peur. Allez. Allez, fournisseur. Donne tout. Tant pis, je l'ai jeté dans le vide. De toute façon, je suis plein. Oh, je vais faire l'invocation du dragon. Non, attends, je vais réveiller juste une première nana, histoire de pas...
provoquer leur courroux. Voilà. Au suivant. Bien géré comme ça, c'est bien. C'est bête, hein. Mais stratégiquement, c'est très important. Alors, attendez, je suis concentré. Et si j'oublie, faites-moi une piqûre de rappel sur le développement de journée. Un truc que j'avais appris, je crois, grâce à... comment ça s'appelle, Renan le Tokyo, alias Real Myop. D'ailleurs, il faudrait que j'aille revoir sa chaîne prochainement parce que il a toujours du contenu très pertinent. Ou pas. C'est vrai qu'à un moment, il a fait un truc assez impertinent avec Anne Hidalgo, là, par rapport à la campagne présidentielle, c'est rigolo. Bref. Merde, j'espère que je perds pas mes... Non, je perds pas mes pouvoirs. I've got the power. Sympa. Bah oui, l'autre se relève, et il se met dans l'axe et il va me défoncer de loin. Comme il vient de le faire. Ah merde. Je crois que je faisais beaucoup le saut comme ça quand j'étais gosse. Je gérais pas mal. Je vais essayer d'y revenir. Ah bah non, là je suis plein. Je vais laisser sur la route, on sait jamais. Je vais peut-être pouvoir les saisir. Non, c'est chier. Bon, tant pis. Bah, c'est dommage, j'aurais pu faire un petit coup de dragon. Qui sont chiants quand ils sont nombreux. Bouge, bouge, bouge. Merde. Donc, journée, une belle histoire. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est de la contemplation et de la promenade virtuelle dans un désert en fait, avec des ruines, une histoire qui est racontée de manière totalement graphique. Il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de, de voix. C'est, enfin bref, il y a des beaux trucs. Il y a tout intérêt de jouer en binôme en ligne parce qu'il y a des interactions entre joueurs où on s'aide à se projeter, à résoudre des énigmes, je crois, pour progresser. Et donc, le développement de journée, en fait, c'est un authentique gentleman programmeur qui a voulu satisfaire sa douce, qui était frustrée. Pardon, je te dirai après, Dragon Sky. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Sa douce, en fait... je crois qu'elle était épileptique ou quelque chose comme ça. Elle voulait consommer du jeu vidéo, mais à cause de sa santé fragile, elle ne pouvait pas. Et en fait, elle lui a décrit ce qui allait pas. Les transitions sont trop rapides, ça me donne mal au crâne, les mouvements de caméra me donnent la nausée. Et en fait, alors je crois savoir que le dit programmeur a... Allez, j'appelle le dragon parce qu'il m'énerve. Le dit programmeur a pris la moitié du temps de développement pour la programmation de la caméra. C'est-à-dire à quel point c'est chiant de programmer une caméra, un angle de vue dans un jeu vidéo, avec les bonnes transitions, tout, etc. Les bons angles. Je sais plus la moitié de l'histoire, mais bref. Il avait écouté les besoins de sa douce pour qu'elle puisse consommer du jeu vidéo, quoi. Romanus Caiutus. Et voilà, quoi. C'est comme ça que journée est née. Attends, je te lirai juste après. Non, le nain vert, j'en ai pas besoin, je suis bête. Je suis déjà plein en rognon. Alors, il est sorti en mars 2012 sur PlayStation 3 en téléchargement sur la PlayStation Network. Puis en version physique en juin 2013 en Europe et en août 2013 en Amérique du Nord. Une version PlayStation 4 est disponible depuis juillet 2015. Il a ensuite été porté sur Windows en juin 2019 et sur iOS en août 2019. Ok, merci pour les infos. Voilà, voilà. Donc c'est très bien qu'il soit sur plusieurs plateformes. Il mérite à être populaire et à être honnêtement un classique. Pareil, je pense à Proteus que je vous ai déjà... Merde! Oh, quel idiot! Pardon. Euh...
Ça m'a coupé la chic du coup. Non, si, j'avais fini de parler de notre journée. Bref, peut-être que sur internet vous retrouverez le récit de développement de journée, mais c'est une belle histoire. Pam pam pam, panablam, panam. Bonjour! Ah, monsieur Poupon! Bien le bonjour! Alors, deux questions. Un, j'espère que ça va bien samedi matin. Et puis que la galère de reprise d'antenne est en train de se résoudre. Parce que, sauf erreur de ma part, cher monsieur Poupon, je vous ai point vu à l'antenne cette semaine. Bon, c'est peut-être parce que je vous ai loupé aussi. Hein. Que j'ai une semaine, on va dire, mouvementée. J'étais bien occupé. Donc, du coup, Twitch, je m'en détache de plus en plus. J'ai moins en moins de temps pour. Oh, mais c'est pas vrai! Il m'a mis ma correction, le squelette. C'est moi qui pourrais pas me faire de vieux os, là. Aïe, 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 aïe. Non, il recommence. Ah, satané. Squelette. Les censure de mots grossiers. Hein? Bon. Mais non, mais non. Mais d'où t'as échappé à mon attaque? Mais non! Je vais le louper, cet idiot. Ah, là, ça barde. Non, j'ai pas streamé depuis 10-15 jours. Reprise lundi soir. Ok. En espérant que ce soit la bonne. Oui, vive la Bretagne, oui. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Ton, 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 ton. Ah. Non, non. L'autre, s'est déclaré en retrait. Vous avez vu, il a traversé complètement l'écran de droite à gauche et il s'est barré. C'est une blague? Ou c'est un bug? J'espère que ça ne va pas me bloquer. Je crois que ça me bloque. Sans déconner! Non! Bah, magie. J'espère que je vais le toucher à la magie. Mais je perds bêtement mes fioles. Elle est bonne, celle-là. Je vais le bloquer par un bug. Non, mais il revient pas. Merde! Oh, j'ai jamais eu ce cas de figure. Non! Mais c'est de l'anti-jeu, là. Oh là là. Oui, il est parti en volant, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, en plus. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Mais non, ne dis pas qu'il faut que je me jette dans le vide pour me déverrouiller cette situation. Putain, j'arrive même plus à courir. Non, non, sérieux, j'ai un problème avec la manette. Elle se fait vieille. Faudra peut-être que je la remplace. J'ai la chance d'en avoir plusieurs. Je pourrais pas stream car en ce moment... Alors attends, Dragon Sky nous dit, je peux pas diffuser sur Twitch en ce moment. Je m'occupe de ma santé, c'est une priorité. Non, oui, t'as bien raison. Non seulement t'as bien raison, et je te souhaite prompt rétablissement. Oui, c'est ballot, cher cousin. Bon, bah crotte, je provoque ma mort. Enfin non, je peux même pas tomber, là. Mais non! Mais je suis vraiment bloqué! Ah merde! Oh là là, je vais recommencer encore une fois, tout ça parce qu'il y a un bug. Il y a une option, il y a quoi? Non, j'ai rien. J'ai rien. Je vais pas trouver une touche secrète. Mais non. Ah, je suis deg. Mais non. Oh là 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 là. Bloqué par un bug. Oh la frustration. Attendez, je vais boire un coup. Ladybug. Tune scène. Touche secrète à ta Fiat. Ouais, non mais ça va être ça. Enfin, oui si, ça va être ça. Pardon. Parce que, sauf ânerie de ma part, j'ai pas le menu de la Mega Drive dans la... Non, je peux faire pause avec Start, mais j'ai pas accès à un menu quitter, abandonner partie ou je sais pas quoi. Attendez, attendez.
Bah, vous voulez vraiment que je passe au 2? J'arrête de faire le 1 ou je referai le 1 une autre fois? Bonjour. Attends, tu sais, bonjour, mais tu disais quoi? J'ai pas compris. Non, il me faisait une vanne sur les debugs par rapport aux bugs que je rencontre. Mais bref. Les debugs, c'était un perso de, d'une saison sur Fort Boyard. Elle était phosphorescente, là. Et c'était des épreuves, on va dire, un peu, j'allais dire, cyberpunk. Moderne, quoi. Oh, c'est ballot. C'est la première fois que je suis coincé bêtement dans Golden Axe. Bon, allez, on passe aux 2. On va passer aux 2. Tiens, je vais montrer un truc rapide. T'as... Ah bah non, je peux pas. J'allais dire, non, c'est pas grave. On le fera le moment venu. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Oui, il va falloir que je déclare, que je change de... De jeu... Alors, je fais défiler toute la liste et cherche Golden Axe 2 que je ne connais pas. C'est vrai que c'est une énorme découverte pour moi. Oui, Alt F4, c'est se désengager du processus actif en cours, enfin de, du programme qui garde ce qu'on appelle le focus. C'est-à-dire qu'il capte la souris et le clavier. Enfin, toutes les entrées périphériques, en fait. D'un point de vue général. Golden Axe 2, que je ne connais pas du tout. Alors, attendez. Je vais dire... Non, je vais garder Golden Axe Trilogy. C'est dans le chat qu'il faut que je dise... attendez, cette catégorie. Parce que je vais retomber mes trucs, je vais les retirer maintenant. Avant de les remettre après, vous inquiétez pas. Oh, cette musique. Ça passe ou ça casse? Ça a pas l'air de marcher. Spoil Golden Axe 2, c'est la suite du 1. Je connais pas du tout. Ah, ça fait bizarre. Je connais pas du tout le 2. Ouais, bah pareil pour moi, je vais le découvrir avec vous. Oui, mais j'ai pas pu le faire car j'ai bloqué l'option de changer le nom. Ah oui. Ce cri. Ça me fait rire. Non, il faut que je relance le navigateur pour pouvoir changer ma catégorie Twitch. Ah, c'est fastidieux. Bon, allez. Golden Axe 2. Voilà. Oh, il présente bien. Voilà, normalement j'ai changé de catégorie. J'ai bien normalement. Pardon. Alors. Je vais mettre mon chapeau de cowboy. Je bois un coup avant et je reviens vers vous. Oh là là, c'est quoi ces monstres? Punaise, un minotaure. Vache, c'est beau. Oh là 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 là. Ah, les graphistes se sont fait plaisir là. Punaise. Alors, plusieurs années après la dernière bataille, dans la terre, la paix, j'ai pas, le seigneur des ténèbres, Dargul, qui, quoi, j'ai pas le temps de lire, détruit des contrées entières, et son clan de, des démons, trois combattants ont mené bataille. Ouais, d'accord. Voilà, c'est bien, ma catégorie a été prise en compte. Allez, on se lance. Ah!
Alors, option. Difficulté easy, very easy, y a pas avec une tétine. Une tétine gothique. En métal. Oh mon dieu. Magique spécial normal. On va peut-être démarrer normal. Je ferai spécial une deuxième partie, histoire de faire le plaisir de la découverte. Non mais c'est con que j'ai pas de recul. J'ai la butée de mon siège pour le chapeau. Ah. Ou alors attendez. Ouais mais si je m'installe différemment, je risque de sortir du cadre caméra. Ah. Bon bref. Allez, go. Oui, partie normale. Je vais faire le monsieur, je sais pas. Oh mon dieu. Oh, cette scène de désolation. Oula, il a un choix, le mec. Oh, il est en mode Wolverine. Oui, c'est ça, en plus. Oh, ça a l'air plus nerveux, le gameplay. J'adore leur... Bleh. Wow. What? Oh là là. Rébarre-toi, malheureux. C'était le druide, apparemment. Oh, puis la musique, elle pète. Oh là là, ces graphismes. Magnifique. Oh. Allez, viens par ici que je te fasse. Mon chapeau qui me tombe trop sur le pif. Je peux pas le mettre comme ça. Hein. J'ai l'air très con. Ah mon dieu. Merdoum. Heureusement qu'il n'y a pas de chrono dans le jeu. Oh, cette compo. Oh la vache! J'ai dégusté la masse d'armes. Oh là là. Comment qu'il est musclé! Oh. Oh mon dieu! Alors, un, déjà, je flippe. Alors, deux. Deux pris en sandwich. Là, ça va faire mal. Cette combinaison va arriver, forcément. Ah ouais. Avec les élastiques sur le front, ça donne un petit air de MG. Ouais. Mais... Mes vils démons, mais venez par ici. Ah, j'ai la magie à fond. Après la bataille dans le village ravagé, nous décidons de démarrer vers les ruines anciennes. Ok. Oh! Hier soir, mon amour chat Twitch était en panne sur OBS. J'ai dû utiliser mon téléphone pour afficher le chat. Oh là, mon dieu. Oui, donc je disais, en parlant d'accoutrement. Ce matin, en ouvrant les volets chez moi, donc j'ai vu sur la rue. Et j'ai vu un monsieur. Oh la vache! Mais c'est horrible cette scène! La torture des. Comment on appelle ça? Des villageois. Ah, pas mal l'attaque! Le monsieur dans la rue était habillé très classe façon Michael Jackson. Merde. Mais Michael Jackson de Thriller, quoi. Vachement bien. J'aime bien, je récupère plein de livres, mais je m'en sers pas en fait. J'ai pas fait de magie. Oh oh oh. Attends, le 2 m'a l'air plus jouable que le premier.
Là, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai l'impression de faire un Street of Rage. Là, le 2, il me plaît bien, là, au niveau gameplay. Attendez, allez, on se fait plaisir. Oh! Waouh! Même les gamins et les vieux, ils s'envolent. La violence! Oup! Oh là, des faucheuses roses. Mon dieu. Et les chuteurs! Arrivez-vous! Aïe, 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 aïe. Non mais ceux qui arrivent à finir le 1, je pense sans déconner qu'ils doivent se promener dans le 2. Enfin bon, je suis en facile. Oh, Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Un excellent film avec l'ex de Vanessa Paradis, que je sais plus son nom. Johnny Depp, merci. Merci Chris. C'est un des rares films d'horreur que j'ai vu, enfin épouvante on va dire, que j'ai vu de ma vie en DVD, je crois d'ailleurs à l'époque on me l'avait prêté. Et j'avais bien aimé, je reconnais. Sleepy Hollow, viens par ici. La légende du cavalier sans tête. Bon là c'est le chevalier sans tête. Mais bon. Je ne voudrais pas qu'il débarre des chevaux. Merde. Oh, attends, faut qu'il revienne à l'écran. Surtout Christophe Walken. Je m'en souviens même plus. Ah, non, j'allais dire une bêtise, je confonds avec la bête du chevaux dans. Ah ouais. J'aimais bien la gargouille du fond. Ouais, de. Pardon. Ah, ils prennent la forme de... Ils sont polymorphes, les salopards. Ils spawnent pour des escargots. Des escargots. Ah, ils ont bien changé, les nains rigolos du 1. Punaise. Allez. Ouais, c'est le chevalier qui s'entête surtout, bien dit. Alors. Quoi, nous avons trouvé l'ennemi? Qui quoi qui était en train d'user la magie dans les ruines là? C'est bête, mais ça m'agace les jeux qui imposent leur rythme. Les temps de pause, transition entre niveaux où t'as pas le temps de lire le texte, je comprends pas pourquoi ils ont pourraient tout simplement attendre que le joueur appuie sur une touche pour déclencher la suite. Là où on dit dans les manuels pour la santé. Observer une pause d'un quart d'heure toutes les heures pour le jeu vidéo, bah les développeurs ils font un bras d'honneur à la règle. Ça me bouffe. Enfin bref. Ah bah les voilà les deux que je craignais. Allez, cadeau de bienvenue. Oh, oh, oh. Il est mode Michou là. Ils ont même fait l'animation quand ils sont secoués en tourbillon. Trop bien. Ça c'est du beau boulot. Non mais j'ai l'impression d'être dopé comparé au 1. La vitesse à laquelle je peux donner des coups. Oh, il me plaît bien le 2. Merdoum. Je repense au Gartic Show dont j'ai préparé la scène hier soir. Dites-moi éventuellement s'il y en a qui seraient intéressés d'y jouer ce matin. Éventuellement que je fasse une petite session entre deux Golden Axe avant la pause déjeuner. Donc je rappelle le principe, je dessine pour vous et c'est le premier qui trouve le mot que je dessine
dans le chat qui remporte des points. Merde, pardon. Je me disais, j'arrivais plus à toucher. Ça doit être dû à l'émulation de mémoire sur console. Tu devrais appuyer sur un bouton pour passer les pages de dialogue. Ça arrive souvent sur un émulateur. À voir. Oui, merci, monsieur Papa. Oh, j'aime beaucoup les décors. Les graphismes sont superbes. La musique est très bien aussi, d'ailleurs. Bon, allez, une petite magie. Allez. Les petits tourbillons. De ma jeunesse. Au lieu des papillons, c'est rigolo. L'homme lézard. Trop bien. Oh, c'est magnifiquement dessiné et animé. Hey, aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah! J'ai envie de dire, je joue comme un pied. Oui, je confirme, je joue comme un pied. Salopard! Comment qu'il m'a déboîté? Pas assez de caféine dans le sang. Oui, mais là, comme je suis mouru. Ah! Zeus, tu as une castle, les yeux bloqués par les montagnes. D'accord, oui. Avant d'atteindre le château ennemi, il faut traverser la montagne. Nous avons décidé de passer par une grotte qui s'appelle la gorge du dragon, c'est ça? Si j'ai bien traduit. Oh là! J'aime la couleur rouge! Mais là, il y a de la lave, c'est pas possible. Ça peut pas être aussi flamboyant que ça. Ah! Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir! Ils sont généreux en magie, par contre, je trouve. Comparé au 1. J'ai l'impression qu'ils ont doublé la dose. Et de la lave. Bah ben ça va dans cette grotte, c'est sympa, ils ont le chauffage. Je t'ai offert par la maison. Oh, mon chapeau qui devient what the fuck. Mais. Merde, j'aurais pas dû ramasser puisque j'étais au taquet au niveau de la magie. Oh, ils sont trop nombreux. Magie! Yeah! Youhou! Trois petits tours et puis ils s'en vont. Presque. Merde, c'est lui qui m'a eu. Salopard. Je comprends pourquoi ils sont généreux en magie. Parce que contrairement au 1, on perd toutes les fioles. Alors qu'on en perdait que la moitié, je crois, dans le 1. La mécanique, la logique a été modifiée. Pourquoi pas? Merdeum. Non, je vais me faire prendre un sandwich. Un grand classique, ça. Oui, bien. J'ai bien retourné la situation. Je crois que les bons réflexes reviennent. Ah! Ou pas. Ah. Ah là 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 là. Faudra peut-être d'ailleurs que je trouve le moyen de... Enfin, je sais pas. Je vais réfléchir à ma... Vous allez voir que ce soir, quand je fais le commentaire chez FunFan, vous allez m'entendre faire un vacarme d'enfer pendant son direct. Parce que je vais essayer de transformer des trucs dans mon aménagement pour demain matin. Genre me rehausser pour que je puisse avoir de la... de l'espace derrière mon crâne pour les chapeaux que j'ai pas à me battre avec tout en me tenant droit. Enfin bref, on va voir. Puis demain j'aimerais bien avoir essayé un nouveau matériel que j'ai la chance d'avoir, qu'on m'a gracieusement offert. L'intéressé se reconnaîtra et merci à lui. J'ai un superbe casque micro en USB à tester et j'aimerais bien l'avoir demain.
puisque théoriquement demain je fais du Final Fantasy avec une voix off qui doit vous être inédite. Enfin, on verra. C'est avec joie que je vais avoir un commentateur qui va me guider sur le Final Fantasy. On fera ça régulièrement les dimanches matin. Puisque Final Fantasy, je vais jouer au 13, je crois que j'ai, qui est en 3 Blu-ray. Donc il est hyper long. Et il est magnifique. Ah la vache! Ils sont d'une rapidité, les hommes lézards. Je finis par les regretter. Non, bah non, je peux même pas faire blou-blou parce qu'il y a un chrono, mon tarbo. Ils sont presque plus dangereux que les squelettes maintenant. Ces hommes lézards. Punaise! Oh là 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 là, je me fais déboîter! Salopard! En mode difficile, ils doivent être infects. Allez, les Minotaurs là, confondus en plus. Deux pour le prix d'un. Ouch! Oh, la masse d'armes, je la déguste. Mais il est magnifique ce second opus. Oh là 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 là! J'aurais adoré Ado si j'avais pu l'avoir. Punaise! Ah oui, aussi! En chauve-souris, en araignée? Non, c'était une araignée peut-être là. Non, c'est le rouge qu'il me faut, c'est la magie qu'il me faut. La bouffe, je l'ai. Allez, donne-moi tout ce que t'as. Allez, ta bibliothèque, donne-la-moi. Donne-la-moi. Mais. Oh, il y avait un pain de mie complet. Il y a de la confiture aussi. Oh, j'allais dire quelque chose de vilain. Je vais me taire, beau. Ça y est, c'est le château des démons. Ah oui. On arrive dans la... Enfin, civilisation, non, on l'a quitté, la civilisation. Oh, j'aime beaucoup le décor. J'aime pas du tout l'accueil, mais j'aime beaucoup le décor. J'ai envie de faire mon Chirac, là. C'est loin, mais c'est beau. Ah, mon Dieu. Oh, allez, là, faut que je devienne plus déchaîné, là. Plus de rage. Allez, je vais me faire plaisir parce qu'ils sont nombreux. Puis comme j'ai un renouvellement des bouquins de magie. Ah oui. Oh. Vous n'oserez pas me confronter. Ah oui. Oh, magnifique. Ah, salopard. C'est lui qui m'a eu. Oh, cadeau. M'en fous, vous m'avez offert des bouquins. J'ai bien l'animation. On se croirait dans un dessin animé, c'est rigolo. Non, non, je le veux, je le veux, je veux. Non. Oh non, c'est honteux. Remboursé. Je peux même pas m'en saisir. Bon, au moins, on aura bien rigolé. C'est l'essentiel. Oh la vache. Oh, oh, oh.
Les minotaures de la violence. Oh là là! Je me suis réceptionné façon Street of Rage. J'ai fait je sais plus quel bouton, le bouton saut et flèche du haut pour atterrir par rapport à la prise qu'il m'a faite sur les jambes. Sans quoi je me serais fracassé sur le dos apparemment. Enfin, je sais pas si ça compte mais. Salopard! Ah mais ils sont redoutables ceux-là! Attends, je vais monter parce que. Que je casse son. Sa prise d'élan. Et moi je me fais encastrer. Oh non. Ah oui. Magie, magie, j'ai une fiole offerte. C'est pas possible. Oh les colosses. Pas au pied d'argile ceux-là. Et la musique. Oh là là. Cette qualité. Je vous rappelle que c'est de la Mega Drive, messieurs dames. Oh. Lancez la vachette. Ah oh non, 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 non. Ah. Oui, 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 oui. Monsieur Chevalier Rose, barrez-vous, je veux pas vous voir. Ah. Ah. Oh, les Wolfarang, ils me les brisent. Oh, Birdoum! Allez. Oh là 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 là. Même pas. J'ai même pas réussi ma contre-attaque. Oh, il a une portée, le salopio. Escroc. Mais c'est pas vrai. Oh là là. Mais il arrive à me chasser comme un moustique. Oh mais merdoum. Mais j'ai l'air ridicule. J'ai l'impression de faire une chorégraphie devant lui là en son honneur. J'arrive pas à le toucher alors que lui il a trois fois ma portée. Non, c'est pas la bonne technique. Oh là 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 là. Mais je veux même pas le passer. Mais c'est quoi ces points de vie? Il en dit 10 000 là ou quoi? Oh! Félicitations, mais la vraie paix ne peut pas arriver en jouant, enfin qu'en jouant avec des modes de difficulté supérieurs, plus balèzes. Donc pour voir le fin mot de l'histoire en F, merci pour l'insulte. J'ai la pire note. Pour voir le fin mot de l'histoire, il faut jouer au moins en normal. Bon retrait à toi, mon cher Chris. Ah là 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 là. Oui, je peux varier. Bien vu, monsieur Poupon. Dire diantre, morbleu ou fichtre ou. Il y a beaucoup de vieilles expressions en rage. En bleu. Parce que bleu, ça remplaçait en fait Dieu pour pas être blasphématoire. Donc sacre bleu, foutre bleu, je crois. Je sais plus. Il y a plus de quoi en bleu. D'ailleurs, la vieille insulte, non, c'est pas une insulte, Jarnicoton, que j'aime beaucoup. Jarnicoton, ça vient de l'abbé Coton, qui avait dit à son, je sais plus quel roi de France d'ailleurs, ou, enfin bref, il disait, je sais plus ce qu'il disait, mince. En gros, il disait quelque chose de blasphématoire en disant « je renie Dieu ». Et l'abbé Coton était pas content en disant non non mon seigneur, vous ne pouvez pas dire ça. Donc il a commencé à dire je vous renie monsieur l'abbé,
Et bon, Monsieur l'abbé a fini par accepter en disant « valait mieux que ça que Dieu lui-même ». Et c'est devenu par transformation dans le temps, je renie l'abbé Coton par Jarny Coton. J'ai un bouquin là-dessus sur les mots grossiers oubliés. Excellent. Je vous en reparlerai à l'occasion. Attendez, je vais essayer quelque chose, vous savez quoi? Je vais vraiment voir si je peux pas me redresser à un point où je peux avoir du... le chapeau. Avec les capes, c'est chiant. Oh, je peux même pas me redresser sans tirer sur un truc ou percuter quelque chose. Voilà. J'ai percuté le micro, c'était obligé, désolé. Oh. Attendez. Ah non, c'est vrai que mon fauteuil, il est haut. Là, comme ça peut tenir. Ouais, voilà. Alors, attends. Mes patounes, je les mets là. Oh, il est beau le phénix. C'est magnifique. Je veux bien essayer un plus difficile. On va essayer d'aller plus loin, mais à mon avis, il se passera rien. On va faire la magie spéciale. Et je vais incarner la madame. Allez. Je crois qu'elle a plus de magie, la madame. On fera le nain un autre jour, un autre week-end. Oui, voilà. Oui, ils ont gardé les mêmes pouvoirs, en fait. Merde, j'ai failli dégommer des gosses. Ah merde. Oh, je l'avais offert sur un plateau et j'ai complètement merdé. Cette non-maîtrise, c'est horrible. Quoi? Non, l'autre comme moi qui m'a fait une correction à portée. Il m'a foutu des coups de gourdin au niveau des pieds. Je t'en allais. Attendez, faut que je garde ma magie pour le petit boss là de Minotaur, parce que comme je joue en normal maintenant, ils sont beaucoup plus coriaces. Du moins, je présume. Putain, je n'ose imaginer les ennemis roses qui ont un nombre de points de vie indécent. Voilà, ça se gâte. Oh, cette musique! Oh là 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 là! Oh, un gadou! Un gadou! Magie! Oh, c'est beau! Oh là là! Attends, je préfère qu'il revienne un peu vers le centre de l'écran. Je dis un peu. Bon. Que je puisse m'en saisir, mais non. Ah! Mauvaise approche. Je vous cache pas que j'ai l'impression que je vais aller moins loin que... Oh, 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 oh. Je chipe pas des bouquins là, les vilains.
Moi aussi, je suis collectionneur de bouquins. Alors. Oui, on avait déjà lu. Après la bataille de village dévasté, dirigeons-nous vers le temple, les rochers et tout le bazar. Dun, 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 dun. Hein? Je m'occupe de l'autre, mais j'aimerais bien sauter par-dessus la boule de magie là. Mais salopard. Merci. I've got the power. Dragon, qu'est-ce que ça donne là, à fond? Ah bon? J'ai pas compris là. Je m'attendais à un truc de fou furieux, mais. Ah bah c'est dommage! Des cadavres qui reposaient dans de la cendre, là, elles sont bien noires. J'ai fait une bêtise sur ma manette, moi. Très mauvais enchaînement. Merde. Je me suis offert l'ennemi. Mais non. J'aurais dû avoir le droit de me retourner. Vache. Salopard. Ah, les petites faucheuses roses. Ouh, je sens qu'elles vont me faire déguster, les vilaines. Ah, je bourrine la manette comme un fou furieux. C'est n'importe quoi. Mais ça marche. Ça marche. Allez, magie du démon. Laissez-moi vous allumer. Yeah. Encore une fois. M'en fous, je balance toute la magie. C'est ça spécial en fait. C'est par petite dose. S'il peut être stratégiquement très intéressant. Alors que si j'avais mis mode magie normale, je présume, j'aurais balancé toutes les fioles en même temps. Donc du coup, j'aurais fait une attaque de fou furieux quoi. Et je trouve que ça me va plutôt bien comme ça. Mais on se prive d'animation. Ce qui vient de magnifique. Brut, ouais, comme tu dis. Il se relève même pas, je continue. Allez hop. Pas de répit. Bon, allez. Au moins j'aurais utilisé toutes les fioles. Mais même les squelettes, ils sont pas morts. Putain la vache. Ah les vilains. Alors, le chevalier, c'est même pas la peine. Ah bah c'est mon premier continu de bouffer.
Merde. J'étais pas dans le rythme. Dans le rythme. Bien. Oui. Mais j'allais dire je les touche ou quoi? Oui. Ouais, bon, c'est bien. Donc je peux plus souvent utiliser ma magie, c'est pas mal. Pas davantage. Oui d'ailleurs, attends, là, ils sont nombreux. Mais tu me fais penser à une scène. J'ai envie moi-même de m'amuser sur ma propre chaîne. Au niveau des émoticônes, d'en voir certaines en grand format. Tomber en bas de l'écran. Pour en fait vraiment bien comprendre leur signification, parce que j'en ai certaines dans mon choix généreux de, d'émoticônes là, je sais même pas à vrai dire ce qu'elles représentent, donc ça permettrait de me faire une idée. Parler spontanément de Minecraft alors qu'il est 11h. J'ai converti mon compte Mojang en compte Microsoft, chose qui me plaît pas, mais bon, on est à marche forcée depuis le rachat de Minecraft par Microsoft il y a quelques années. Voilà, donc évidemment je peux toujours jouer à Minecraft, et heureusement c'est mon jeu favori. Mais j'ai pas mal galéré, puisque j'ai mis 2-3 heures, sachant qu'en plus j'ai fait la manip sous Linux. Alors normalement c'est pas censé changer grand chose, mais j'en ai bavé. Et à un moment, quand j'ai ouvert mon compte Microsoft, j'ai failli perdre ma licence Minecraft, ce qui m'a fait momentanément rager. Quand il m'a dit jouer à la démo, là j'ai compris qu'il avait pas fait le lien avec mon compte Mojang précédent. Et j'ai fini par faire le nécessaire pour me remettre en ordre, mais ce fut fastidieux. Là où la procédure dure 2 minutes, moi j'aurais mis 2-3 heures quoi. En plus j'aime bien les mails Microsoft, récupérez votre mot de passe de votre compte. Je l'ai jamais reçu, à croire que le service est éteint. Enfin bref, une calamité. La licence 4 pour débiter, ouais, de la mousse. Oh, ça me fait envie d'ailleurs en parlant de ça. Une bonne bière aux fruits. Moi j'aime bien. Ça fait des mois que j'en ai pas dégusté une. Ça va peut-être revenir avec les beaux jours. Le plaisir de se faire un soir de printemps ou d'été, une petite mousse fruitée, j'aime bien de temps en temps. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, c'est vrai, faut pas déconner avec ça. Alors, voilà, les hommes lézards, je les sens pas. J'ai déjà cassé leur arrivée. Oui, le use hamster in the microwave. Ah, on a bien rigolé avec Fun Fact quand même hier. Avec le Mayan Mansion. Mais voilà. Enfin, je vous cache pas. Vous m'avez donné envie d'y rejouer. Et peut-être que je me le ferai sur émulateur en semaine, de temps en temps, quand je peux m'accorder 2-3 minutes de pause. Je ferai une action. Je serai capable de jouer de cette manière-là. Parce que ça m'a rappelé, voilà, le nostalgie de l'adolescence, des bons souvenirs. Puis j'avais oublié plein de trucs sur Mayan Mansion.
Par contre, là où tu m'avais surpris dans ton propos, tu as une scène sur le jeu hier, chez l'ami FunFan, je me souviens qu'ils peuvent être capturés, les jeunes, mais je me souvenais pas qu'ils pouvaient mourir. J'ai pas souvenir de mort dans Maniac Mansion. Merde! Mais c'est lui qui m'enchaîne! Oh là là! Oh. Je lui ai envoyé ce matin un lien pour prendre Indiana Jones Fight of Atlantis. Ah ouais, ce serait bien qu'il le fasse! Ah ouais, ouais, ouais! Je l'avais fait aussi plus jeune. Je me demande d'ailleurs si je l'avais pas fait sur Atari à l'époque. Je me demande. Mais non, drôle en plus. Bien écrit le point and click Indiana Jones. Ah non, il meurt pas, on reste bloqué. Merci Twin Sen. Merci de la précision. Ah, les grottes de lave là. C'est le cas de le dire, ça va être chaud. Bon, je peux déjà prendre le bouquin de magie. Et l'autre me pose déjà des ennuis. Mais ils sont coriaces! Mais c'est pas possible! C'est des mini-boss en soi là! Niveau facile! Bordeloum! Allez! Peut-être c'est faire et voir anglaise. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Boom. Et voilà, l'autre il m'a cassé par le dessus, forcément. Attendez, le drapeau breton qui flotte au vent, c'est Monsieur Poupon qui se manifeste. À nous. Les maisons, ça changera pas de temps. Bon, là, très vite. À très vite, hein, Monsieur Poupon. Bon week-end. Merci, bon courage dans vos œuvres. Et puis, je l'espère, à lundi soir sur votre chaîne, pardi. Ah, excellent, monsieur Poupon. Tu nous divertis à foison. Aïe, ouïe, aïe, ouïe. Alors que je me fais prendre une correction par les vilains squelettes que je vais cramer d'ailleurs. Non! Oh, ce gangbang! Mais ça devrait être interdit! Allez, il me gave. Je l'ai cuit. Oui, croisons les doigts, ouais. Ah bah. Oh, ce squelette! Je suis tombé sur un os. A plus. Merci d'avoir été là. Merdoum. Oula. Oulalala. Je l'ai vu que ça allait mal se passer. Heureusement, j'ai cassé l'enchaînement. J'ai sauvé ma peau là. Merde. On va l'avoir souvent l'animation de feu. Ah. Merci. Oh, ce vil gredin. Ah, j'allais dire, il me bouffe là.
il me bouffe. Je vous cache pas que je suis tenté de vous offrir une petite session de Gartic Show avant de passer au troisième opus. Histoire de qu'on joue un tout petit peu pour voir si ça se passe bien. Avant ma pause déjeuner vers 13h. Merdoum! Oh, il me bouffe lui aussi. Et voilà, c'était sûr. Je la sens pas. Parce que là, c'est vraiment une prise en sandwich, je suis méchant. Voilà. J'ai cassé leur posture. Leur formation, on peut le dire. C'est ça. Non, ce gangbang de la violence. Mais je me fais déboîter. Oh là 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 là. C'est presque la technique à avoir des sœurs jumelles dans Street of Rage, c'est de réussir à visualiser, à garder le contact sur une seule, et même pour l'épuiser, et elles sont plus vulnérables évidemment individuellement qu'en tandem. Je sens que mon aventure va s'arrêter là, les minotaures je les sens pas du tout, deux roses ça pique. Il faut que je me débarrasse des subordonnés d'hommes lézards qui me mettent une correction monumentale, incontinue, allez hop, on va sur le dernier. Oh non, la loyale. Merci. Oh non. Vengeance! Vengeance par cuisson. Bon. Oh, j'aurais plus dit chauve-souris qu'araignée dans leur transformation là. J'aurais aimé qu'ils soient plus généreux en magie, mais ce fut la nourriture dont j'avais pas besoin que ça. J'arrive quand même au château. C'est quand même pas mal pour le mode normal, pour une deuxième partie. Avec la magie utilisée finement, fiole par fiole, et non pas en groupé.
merde. J'ai pas du tout réagi, j'aurais dû. Ouais bah voilà. J'ai tout perdu, poil au U. N'importe quoi. Merci. Salopard. Allez, je vous vois venir. Allez, de l'autre je le vois venir, il va me déboîter en prenant de l'élan. Ah bah c'est bien, je me suis débarrassé d'un ennemi, c'est pas mal. Oh non, oh bah non, je suis mort bêtement. Alors pour le coup j'aurais dû enchaîner mes potions, mais bon bref. F, d'accord, j'ai toujours la plus mauvaise note. Dur. Un jour, j'aurai le rang E. Un jour. Oh là là. Prout. Bon, allez, sauvegarde la progression. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? On se tente un Gartic chaud de quelques minutes ou j'enchaîne tout de suite sur le troisième opus? Attendez, moi, pendant ce temps, si vous manifestez à moi, je cherche le troisième opus. C'est là où je me rends compte que je l'ai pas en fait. Ah si, j'ai le troisième opus. C'est quoi les options déjà? Game setting. Non mais non, non, non. New game. Bon, j'allais dire, vu que vous ne manifestez pas, à mon avis, on va rester sur du Golden Axe. Je vous proposerai peut-être plutôt en fin d'après-midi, après Tomb Raider 3, ce soir. Bon, au moment, faire une pause, on verra. On verra, on verra. Alors, attends, je vais réessayer mon histoire de déclarer Golden Axe 3, mais je crois que ça marche pas. Pourquoi il le fait pas via mon logiciel, ça me bouffe. Ah, je suis bête. Mais non, mais j'ai écrit en français. Mais non, c'est avec un Y catégorie, moi. C'est comme ça. Non, je sais plus. Mon cerveau est en train de bugger. Je sais plus du tout. Oh là là.
Wow. Non, bah je suis obligé de lancer. Oh! Je suis obligé de lancer le navigateur, d'aller dans l'interface de Twitch pour pouvoir mettre la bonne catégorie. Il y a des trucs qui vont pas là. Il faut. Attendez, je vais même essayer un truc avec mon chat parce que j'avais programmé une commande moi pour dire que je bascule en just chatting. Est-ce qu'elle marche? Ah, c'est cette game! Pas cette catégorie! Oh là 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 là! Vous me direz, ça a pas l'air de marcher non plus. Attendez. Il faut que je teste, hein, parce que ça me bouffe. Si je fais ça, il accepte ou pas? Non, Twitch a l'air de pas réagir. Oh, mais c'est nul! On chiffre vraiment? Wow. Oula, c'est Money Mouse. On se transforme en animal. Oula là. B. Sympa aussi comme découvert. Bon, ça marche pas le truc. Ça me bouffe. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Extraordinaire. Moi les joues. Tac. Oui, tu me diras, je peux laisser sans souci le. Ah bonjour fan, j'espère que tu vas bien. Alors que je parle à la découverte du troisième opus de Golden Axe. Alors, option. Ah, il n'y a pas easy. Bon, bah, j'irai jamais dans les options du 3. C'est imposé. Oh, il y a des nouveaux persos. Ah, le nain, j'ai pas le droit de choisir. Tiens, tiens. Pourquoi donc? Ouais, je veux bien l'homme. Le prince des ténèbres, oui, bah oui. Et de retourner avec la hache en or. Vas-y maintenant, brave guerrier. Ah, il est à la retraite, le nain. D'accord. Wow! Oh, cette prise. Ah, il y a le retour des classiques nain livreur. Attendez voir. Au stylé, attaque de pierre. Excellent. Et ça, je peux le chevaucher. Oh, vu le colosse. L'animal, il est pas en souffrance. Oh punaise. Excellent. Merdoum. Je fais des prises de catch, de trucs de fou là. Mais pas comme il faut. Ah là, c'était bien. Oui, pauvre bête, ouais. Oh. Que signifie? Wouah. Oh. Comment je l'ai chopé? Je sais pas comment j'ai fait. Moi, je dis, arrête ton char, Bénur. Comment je fais pour les saisir et les patater à volonté là?
Oh oh. Ah! Je me sens mieux à l'arrêt. Sans mauvais jeu de mots. Pardon. Je sens qu'ils vont me faire suer cela. Alors je veux bien la bouffe en priorité si j'y parviens. Mais il va se barrer, il m'a rien donné. Oh, ramasse. Oh, il faut faire bouton action maintenant. Ah, j'ai le choix du chemin? Non. Oh! Oh, stylé! Trop stylé! Je sais plus comment on appelle ça en mythologie, les âmes aigles là. Oh la vache! Trop bien! Excellent! J'aime bien la sono. Yeah. Oh, il y a des variantes d'attaque pour le même nombre de fioles. Je crois, hein. Enfin, on superbe. Moi, je me régale. Il est bien joué. Moi, trop cool. Oh, j'aime bien les épis de blé derrière, à l'arrière-plan. Épis de blé. Oui, on a le choix de la route. Ah, ça me plaît, ça. Ça, c'est bien. C'est tout. La map de G. Ça va trop vite. J'ai même pas le temps de lire la carte. Mound. Ah, c'est cimetière. Ça veut dire que je vais avoir le... Ah, je vais avoir des squelettes. Cette musique. Les petits obèses. C'est un villageois qui a été capturé. Merde, j'ai pas compris ce que j'ai fracassé. Il me fait penser à Blanca, le mec, dans Merdoum. Mais ah, dans Street Fighter, les déserts de Blanca. Je pense qu'ils s'en sont inspirés. Enfin, c'est l'effet que ça me fait. Ah, les squelettes, je les aime pas. Puis là, c'est un squelette d'homme lézard en plus. Enfin, je crois. C'est encore plus effrayant que la normale. Merci. J'aime pas les sauts. Oh là, je les gère mal, les sauts. Ah, la masse. Bleh. Le boulet masse. Bleh. Eh oh, les pitiés là, calmos. Ils sont morus. Venez ici, bande de grenins. Bougadou. 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 Pourquoi il m'indique femelle? J'ai le logo femelle, j'avais pas vu. Ah! C'est les villageois torturés apparemment. Que je viens de libérer, d'accord. Pendant un instant j'ai eu un doute, je me suis dit tiens, on peut changer le genre de son perso. Ah, vous imaginez, on aurait sélectionné le nain, on aurait demandé en genre féminin, on aurait eu Mimi Mati, dis donc, dans le jeu. Je fais mon vilain. Sympa. Mais ah, le squelette de l'homme lézard, il est bon. Merci. What the hell? Oulala, oulala.
J'aime pas la cavalcade. Je pense que ça va compter au score le final, le coup des villageois, enfin villageoises libérées. Je pense qu'il y a quelque chose. Mais punaise! Ils arrêtent de faire leur mode René Lato. Oui, c'est quoi ça? Forêt? J'ai zappé, hein, du coup. Comme on n'a même pas le temps de lire, du coup, je méprise les textes, c'est honteux. Enfin, à force de faire des parties dans les week-ends à venir, on finira par connaître toutes les variantes. Et c'est bien. Bon. The catch. Oh, j'adore l'émoticône de la un classique Twitch, le petit nounours ange. Trop mimi. Oh là là, ce jeu de masse d'armes de la demoiselle. Oh là 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 là. Mais le bouffe, c'est pas possible. C'est bon, hein? Méga drive, hein? Méga drive. Monsieur dame. J'aime bien l'animation pour ramasser avec l'animal. Ouh, je vais faire mon attaque la plus puissante. J'ai toute la magie. Oula. Mais c'est pas vrai. Allez, magie, j'en ai ras là, hein. What? Ça fait bugger la Mega Drive là? C'est une chute de rocher, mais on a à peine vu l'anime. Ah, le fait de sauver 5 villageois, ça donne une vie, c'est ça? C'est ça qui s'est passé, je crois. Oh la vache, j'ai presque envie de dire, ils auraient été sympas, ils auraient donné un continu, pas une vie. Comment je maltraite le chevalier. Merde, salopard. Mais. Alors c'est bien, je peux parer, mais. Ah, les piquetiers peuvent être chiants, hein. Ah, il me bouffe. Attendez. J'ai l'épaule qui me gratte. Aïe! Me fait mal. Oh, laissez cet animal en paix. Oh, elle a paré mon attaque qui en avant. Oh. Scandaleux. Non, mais. Ah, la vilaine. Elle m'a eu à la réception. Oh, les petits obèses. C'est bien. Suivant. Le suivant. Ah. Je vais passer par le bas. Passons par le bas.
Mais sachant qu'il va me gaver, donc autant faire la magie une par une, les fioles. Oh, sympa. Très sympa. Ça fait plaisir. Pas ça, par contre. Bon, magie, une gamme. Oui, c'est bizarre, j'ai l'impression que par moment l'animation passe mal. Ça dépend desquels. Comme si à l'époque la Mega Drive était en souffrance. Monsieur Thor, je présume. Monsieur Thor. Monsieur redresseur de Thor. Mais il est dur. Le barbu là. Merde, merde. Ah, je le touche enfin. 4 crédits. Ah bon? J'ai... Ah tiens. Il a meilleur réflexe que moi. Non non, je peux pas l'avoir comme ça. Faut que je change de technique là. Je l'ai pas. Moi je suis même pas dans l'axe. Bravo. Voilà. Comme ça. Et encore. Oh là là. Putain, mais il a des réflexes de fou furieux, le gars. Merci. Vache. Mais... Ah, merci. Coriace. Ah, si j'en ai deux comme ça, je vais en baver. Ça arrivera sûrement. Dans la logique du jeu. Mais il me les brise, lui. Ah, merci. Terre de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a une toute autre carte quand on fait le premier choix de bifurcation au début. Les rues ensanglantées. Ou la rue, parce que c'est au singulier. La rue ensanglantée. Ah, j'avais pas vu que j'avais le fil du... qui me passait sur le fond. Je le sens même pas. Oh, les piquetiers de ma jeunesse. Oh oh! Bah l'autre elle me met une correction! Vilaine fille! Allez. Je me facilite un peu la tâche. Là, je lui ai fait une prise, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai des trucs à apprendre sur le jeu. Yeah. Comment disloquer le sol. Oh yeah.
une en moins. Il est une fille. Oh. Oh 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 oh. Il y a des petits gourdins là. L'autre, comment il se lève? Le gars était à genoux, il arrive à avoir une impulsion au pied d'appel et à faire un saut de fou furieux. Ah là là, neuf. De la bouffe, de la bouffe. De la magie. Magie. La magie, magie, magie. Oh. Mais... Allez. Allez, je me fais plaisir. Merde, j'ai bloqué le perso, sans le vouloir. Allez, je vais passer par en haut. Je préfère rester sur les bonnes pierres, là. Un bon dallage. Allez, barre-toi. Ah merde! Mais pourquoi j'ai pas patâté les deux? Ils étaient dans le même axe pour moi! C'est terrible! Ah! La bouffe, bienvenue! L'autre, il donnait l'ordre aux autres de se pointer. C'est le chef. Bien mon. On l'entend, je le patate. Je me prends même des coups, j'ai ma barre de vie qui descend un peu. Voilà. Oh! Kizako. Quel est ce boss mystérieux? Tiens, tiens, tiens. Une grande guerrière, apparemment. Avec sa serpe, voilà. Enfin, je sais pas si on peut pousser une serpe. Espèce de sabre, je sais pas quoi là. En langue de serpent. Ou alors le jeu est vachement long. Parce que je suis content de ne pas faire usage de mes crédits si vite.
Vous me direz, le chemin que j'ai pris, il n'y avait pas de risque de chute dans le vide et de perdre bêtement une vie, quoi, en un coup, quoi. Merde. Mais... Putain, la vache. Ah, merci. Oh. Oh. Merci, sois prudent, les ennemis autour d'ici sont très puissants. D'accord. Merdoum. Mais... Il va se barrer. Ah, merci. J'étais parti pour pas avoir toute la collecte. On va où maintenant? Montagne. Ok. Niveau 5. Montagne de la mort. Je suis niveau E. Je suis pas noté F. Donc ça fait plutôt plaisir pour le moment. Je suis mieux noté que dans le 1 et le 2. Pourvu que c'est dur. Merde, salopard. Il a bien géré le décor, le dénivelé là. Ah, voilà, les ravins que je déteste. Voilà, mon saut était maîtrisé, c'est bien. J'avais les deux. Ah. Oula, il y a du peuple là. Oh là là, magie. Parce que là. Ça dépend s'il y a plus ou moins d'éléments graphiques à l'écran. La Mega Drive fait bien l'animation de la magie ou pas. Oula, oh que je les aime pas, les squelettes. Il n'y a plus de squelettes humains, c'est dingue. C'est des squelettes d'hommes lézards. Trop bizarre. Non, oh là là. Blablabla. Oh, j'avais pas vu. On est sur une statue de crabe. Vous avez vu les pinces à l'arrière-plan? Oh non, pas eux. Non. Oh non, je les aime pas. Apparemment, je m'en suis débarrassé d'un. Comment, je sais pas. Je reviens sur mon... Ouais. Mon plan. Merde. Je me demande si je peux pas le pousser dans le vide, là. Je me demande si ça n'a pas été le cas de l'autre. Mais... Salopard. Ah, rien n'y fait. Ah, est-ce qu'il va chuter dans le vide? Comme il est bien dans l'axe. Non, merde. Dommage. J'aurais adoré. Ah oui. Oui, ils sont tombés dans le vide. Bon à savoir. Yeah. Merde, j'ai pas de magie. Con, j'allais faire magie parce que vu leur position, c'était cadeau là. Là, ils tombaient là. C'est eux qui vont me faire tomber. Voilà. Non. Vengeance.
Ah, j'aurais dû appuyer tout de suite sur la magie. J'aurais pas perdu la vie. Oh, l'autre qui passe en plus. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ouf! Oh! 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 Allez, tout! Oh! Oh l'autre! Comment qu'il rentre comme un gamin? C'était rigolo! Oh mon dieu! Bien! Oh! On se croirait dans Sutter Fredge. Ils ont dû s'en inspirer. Trop bien la route. Bon, lui il me gaffe déjà. En plus j'ai une fiole en cadeau. Alors magie. Comme ça c'est fait. Bon, une gaffe. Oh, cette violence. Oh, ah non, pas eux. Non. Pas que je tombe dans le vide. J'aime beaucoup la durée de vie de cet opus. Il m'a l'air deux fois plus long que les autres. Ah ouais, allez, je vais aller en amont. Ah, au sommet de la montagne, je pense que le boss, ça va être un homme oiseau. Un homme aigle. On a vu tout à l'heure, là. Ah, j'aimerais bien. Ce serait trop stylé. Vous savez, posé dans son nid. J'y mettrai le feu. Mais elles sont redoutables, ces dames en noir. Voilà, là c'est l'équivalent des jumelles de des rues de la rage, là, Suit of Rage. J'y arrive pas. Mais j'arrive pas à les choper, elles bougent à mort. Et puis comme je suis un gros colosse là. Ah, j'en ai une. Comme je suis un gros colosse, j'ai la force mais pas la vitesse. Merci. Oh. Tiens. Les obèses, on dirait qu'ils sont de pierre et d'argile pour le coup. Ouais, j'en ai un. Cool. Ah, santé. Oui. Oh oui, oui, oui. Ça tombe à point nommé. Oui, j'avais raison. J'avais raison, c'est logique. C'est totalement logique. C'est un homme aigle. Putain, il est vachement bien. Un homme griffon. Là. Il est superbement bien dessiné. J'adore. Trop la classe. Oh la vache. Comment qu'il m'a becté et pataté. Oh le vil gredin. J'entre, je suis en train d'en baver. Mais c'est les subordonnés qui me font peur. C'est pour ça que je bouge d'un extrême de l'écran à l'autre.
Oh la parade! Bien! Oh là 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 là! Mais j'aimerais faire un combat épique, mais j'aimerais ne pas avoir les larbins qui me les brisent là. D'égal à égal, mince! Ah, il n'y a plus qu'un larbin, un piquetier. Allez, dégage le piquetier, je peux te voir. Merci. Là, ça devient intéressant. Duel. Un duel au soleil. Oh. Oh. Viens par ici que je te déplume. Aïe. Viens par ici que je te brise les œufs. Ouch. Je t'arrache le bec et je m'en fais faire un pendentif. Goudou. En symbole de ma victoire. Oh l'empiafé. Je sens que je vais manger des nuggets à midi. C'est vrai, en plus je vais manger. Enfin je vais manger du poulet. J'ai un délicieux poulet qui m'attend. Je vais me cuisiner aux herbes. Je vais me manger. Je vais manger un de tes congénères en vrai. C'est horrible. Ah non, il m'a puni. Ah oui, cette violence. C'est horrible. Même dans le verbe, même moi je me déchaîne. Mais c'est beau. Le jeu est magnifique. Déjà le 2, il m'a bluffé là, tout à l'heure. Mais le 3... Je vais me faire joie de le faire de temps à autre. Comme le Street of Rage 3, qui est super balèze, pour avoir la vraie fin. De temps en temps, ce sera ces deux jeux sont récurrents. Un peu en bouche trou, on va dire. Ou est-ce que je ferai parfois des demi-journées spéciales? J'enchaînerai les deux, peut-être. Vous savez qu'évidemment, je vous propose mon programme au gré de mes envies. Là, par exemple, je suis frustré de ne pas avoir pu jouer un petit peu à Minecraft cette semaine. Et à mon avis, je pense qu'on va faire du Minecraft demain après-midi. Ça va être mon dimanche pépère, on papotera. Je vous ferai une vocale ouverte. Il me parle ? Bon boulot ? Quoi ? La prochaine fois, oui, ce sera pas aussi facile. Et il se barre ? Salopard ! On a eu un échange viril, mais je l'ai pas plumé. C'est un vrai boss, hein, cet oiseau, là. Bon, alors, je vais où, là? Ah oui, le griffon, il est redoutable. Ah, niveau D, je monte en note. Ride, alors, aller au-delà de... du vent, là. J'ai du mal à... Ouais, je vole au-dessus de l'océan, ou de la mer. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. J'ai envie de dire, vu le thème, j'ai pas envie de me faire plumer. Tiens, voilà du boudin. Ah, je peux revenir en arrière. Intéressant. À mon avis, j'ai... Ah, c'est la tête du griffon. Trop bien, on est sur la largeur de ses ailes là, c'est trop bien. Ah c'est stylé, c'est trop stylé. Non, enfin, quand je te lis Chris Golgot quand tu dis chaque diffuseur fait au gré de ses envies. Non, il y en a certains qui sont très ouverts, qui sont neutres. Alors, je présume qu'ils font la sélection de leurs jeux qui leur plaisent. Et ils laissent leur public voter en début de direct. J'ai déjà vu ça. Ou c'est ceux qui ont en général une centaine de... En moyenne de spectateurs. Ils font une phase d'introduction de un quart d'heure, 20 minutes pour papoter. Et ils leur laissent leur choix en leur disant « Vote, vous voulez quoi que je fasse aujourd'hui ?» ça arrive. Même moi, parfois, il m'est déjà arrivé de vous proposer « On fait jeu A ou jeu B ?» Parce que les deux me plaisent, le moment venu. Ouais, c'est... Ah, magie, il me gave.
Ah, comment appeler des rochers qu'on a au-dessus de la mer et sur un oiseau? Les rochers, ils viennent du fond de la mer? Ils viennent de loin. Hein. Oh punaise. Même avec les rochers, vous sentez ce sel? Oh, il n'y en avait pas tout à l'heure. Bon sel de mer. Oui. Je dis oui. Je dis oui. À la bouffe. Non. Oh. Ta blague était nulle. Ah, je l'ai même pas lu. Il le fait aux céramiques. J'ai pas le temps de voir la suite, mais attendez. Attendez. T'as dit quoi? Ah, il fait aux céramiques de ses humeurs. Si, elle est pas mal. Il y a de l'idée. Bon, allez, magie. Tac. Ouais, je suis sur l'aile de Griffon. On voit, je suis sur le Griffon. Mais c'est trop beau. J'adore. Alors, on n'avait pas cet angle de vue dans le 1. Dans le premier, on est bien sur le dos du griffon, mais... Mais on... Il est tout le long de son dos. Oh, oh non. Non. C'est balèze, là. Ah, je vais me faire déboîter. Putain, les pitiés, faut que je m'en débarrasse en premier. Ah merde, j'ai plus de continu. Dommage. Eh ben bien. Franchement, ce Golden Axe me fait une très bonne impression. Ah ouais. Il faudra faire des variantes les prochaines fois, hein, obligé. Puis les persos aussi à changer. Bien. Ah j'étais... Ouais, t'as mort, ouais, sympa. Eh, niveau D, bien. Ouais, bah j'allais arriver au combat final sur l'île du château là. Trop bien. Et B. Bon, bah c'est bien, je le refraîchais pas quand le Golden Axe 3 avec grand plaisir. Alors, je ne boude pas mon plaisir. Bon appétit à ceux qui passent à table. Il est déjà midi là. Attendez, je sauvegarde la partie. Je veux absolument tester avec vous le Gartic chaud maintenant. Attendez. Attendez. On quitte la Mega Drive. Je vais me déclarer en Gartic Show. Je vais passer en scène Gartic Show. Attendez. Est-ce qu'ils l'ont? Ils l'ont programmé, je pense. Ouais, ils l'ont programmé. D'ailleurs, je vais dire Gartic Show pour tout. Faut que je le déclare sous Twitch et sous mon habillage de chaîne. Gartic Show. Merdoum, pas comme ça, mais comme ça. Merci. Alors, il faut que j'enche une fenêtre de Gartic Show. Je crois que c'est Gartic Pancho, hein, le nom du site. Je suis surpris qu'ils aient un nom de domaine en 4 lettres. C'est pas conventionnel, mais bon. Il y a de plus en plus de souplesse dans les normes. Tant mieux pour les intéressés. Alors, je vais intervertir. Merde, j'ai fait une bêtise pour parler poliment. Ouais, j'ai fait une bêtise. Attendez. Elle est où ma scène? Elle est là.
Ouais, ça va pas mon truc. Comment je fais pour casser le plein écran? Je sais plus. Quand j'ai fait la bêtise de basculer en plein écran avec mon OBS, je sais pas comment prendre la main. Ça me gave. Comme ça? Ah oui, très bien. Ouf. Faudrait que je me souvienne de l'astuce. Alors, moi, il faut que je fasse comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est blanc Gartic Show. Faut que je passe en plein écran F11. Tac, tac, tac. Ah, vous serez peut-être amené à voir des trucs que vous n'êtes pas censé voir si je clique sur Twitch. Attendez, pardon. Je vais repasser en caméra. Puis... Ah oui, j'allais dire, on ne voyait plus mon chat. Attendez, j'espère qu'il n'y a pas des infos confidentielles. Vous comprendrez? Merci Lara Liboul. Alors Lara Croft qu'on va retrouver cet après-midi. J'ai l'air ridicule avec la cordelette au fond. J'adore. Attendez voir. Je ne sais pas si l'un d'entre vous au moins pourra essayer de deviner mes dessins. Mais c'est pour voir si ça fonctionne. J'ai joyeusement programmé demain. Demain. Pff, programmé hier soir ma scène pour le Gartic Show. Ça m'a l'air d'être bien. Alors, il va falloir que je dessine là. Le chat, il va falloir que je vous vois comme ça. Oh oui, ah oui, t'es enthousiaste. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ma caméra est bien placée, vous me voyez. Moi, je verrai le mot et pas vous. Voilà, j'ai respecté la règle du jeu. Alors, attendre que les... Que le streamer démarre. Et j'ai pas le droit de changer. Ah si, j'ai le droit de changer. Mot du système. Ah, mot personnalisé. Ah! L'interface est maladroite. Cliquez en bas de la truc mûche. Ah, tu peux pas choisir manuellement le nombre de manches. On fait par l'autre dimanche. Allez. Demain, on est dimanche. Bon, allez. Go! Essayez de deviner. Ah, pas mal. Allez. Je commence à dessiner. Oh, le son est fort. Ah, tu vas me rendre sourd. Attendez, il faut que je me fasse l'interface. Alors, attends. Oh, elle est bizarre la souris. Et chier. Alors, faut taper le mot que vous pensez que je suis en train de dessiner à l'écran avec bah dans le chat. Mais le mot au direct, hein. N'essayez pas de faire une phrase. C'était là où je me faisais avoir chez je sais plus qui, chez Bambastos récemment. Essayez de deviner. Ouais, c'est vrai que la logique, il faudrait que je fasse un truc. Non, attendez. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas ça que je voulais. J'ai envie de faire un joli petit fond. Allez. Touc. Voilà, là c'est beau. Oui, voilà. Tac, 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 tac. Voilà, ça fait bien. Oh, ça fait stylé. Ça fait stylou. Dou 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 dou. Alors, vous n'êtes pas inspiré, j'ai l'impression. Oh, le son est fort. Je peux baisser le son là parce que ça me nique les tympans. Oh, il y a un truc son en haut. Ah oui, les effets. Oui, attendez. Oh, calmos, parce que moi j'ai un retour qui me pète le. Ah! C'est rigolo ça. Petit Porto. attendez. Comment je fais ça? Attendez, faut que j'essaye de bien dessiner, c'est trop drôle. Par contre, ils ont mal défini le cadre du... Ouais, il faut que mentalement je me dise que c'est le... On appelle ça.
le cadre. 100 dés. D'ailleurs, c'est singulier. Faut que je vous précise si c'est singulier ou pluriel, parce que le salopard fait la différence. Voilà. Ta 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 ta. Donc au singulier, ça donne sans le l'adjectif, le coup de mémoire, sans l'article. Voilà, je vais y arriver. Sans article au masculin. Non, tu l'avais au complet. Voilà, faut que tu complètes. C'est donc une. Oui, mais sans une. C'est là où le jeu est chiant. C'est, t'as pas le droit de mettre des... Tu vois ? T'as pas le droit de mettre de l'article. Voilà, il faut pas mettre l'article. Il faut pas faire des phrases à rallonge. Et je vous aiderai en vous disant masculin ou pluriel ou féminin, singulier. Enfin bref, voilà. Allez, go. Ne soyez pas frustrés. J'aime bien les propositions. J'aime bien. Alors attendez, comment je dessine ça? On dirait dans Star Trek, mais c'est pas ça. Et là, on arrive au truc intéressant. Ça. Qui c'est? Mais qui c'est? La 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 la. Kejako. Kejako, Kejako. Je vois pas comment je peux faire mieux du coup. J'aime bien les propositions d'Olive. D'ailleurs, je le salue, elle est la seule à jouer. T'es en droit de jouer, hein, fan, si tu le souhaites, évidemment. Tu te sens pas condamné à être neutre en tant que modérateur. Voilà. La 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 la. Ouais, pas mal comme ça. Ah. Tu vois, tu y étais presque. Ah là 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 là. Terrible. Hein. Bonjour Devil Olive. J'espère que tu vas bien. Ouf. Alors attends. Mot suivant. Alors attendez. Comme ça. Voilà. Sauf que. En plus fin. Merde, non, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça. Voilà. Oui, si, j'ai bien. J'ai bien. Donc, du coup, la question est. Voilà, ça précisément. Vous chauffez, vous chauffez. Non, je vais garder le très fin, on sait jamais. Non. Je peux me taper un délire. Je vois pas ce que je peux dessiner de plus en fait. Ah, j'insiste. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans article. Sans article, quelle est la bonne réponse? Voilà. C'était du blanc d'œuf. C'est pour ça que je me focalisais sur cette partie de l'omelette. Ah, non mais c'est plus marrant qu'on ait plusieurs, vous voyez. Je le proposerai à mon avis quand vous serez enthousiaste et que vous serez une dizaine.
On peut faire deviner des adjectifs aussi. Je vais tenter un adjectif. Un adjectif. Bah... J'ai envie de dire ça tombe bien. Tac, 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 tac. C'est un adjectif, messieurs, dames. Ah, bonne popote, Olive, pas de soucis. Du coup, j'allais dire, je vais plus avoir de propositions. Mince. Attendez, joue le jeu. Non, c'est pas le bon adjectif. Ouais, là, je m'embarque sur un dessin de fou. C'est marrant parce que, du coup, vous voyez comment je compose mes dessins quand je dessine dans le Gartic Phone classique. Vous avez une idée de ma vitesse et de la manière dont je compose mes dessins. Tac, 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 tac. Oui, tant pis. Voilà, c'est pas pour le truc, mais... C'était l'adjectif fragile. Ouais, c'était bien pensé. C'est pour ça que je partais vers la caisse de livraison avec le bandeau fragile, mais j'ai pas le temps. Oh, facile. Facile. Par contre, l'autre proposition, elle était horrible. Facile, mais le temps que je vous le dessine et vous pigiez, il va se passer un peu de temps, peut-être. Ta ta ta. La 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 la. Ti ta ti da di ti da da. Ta 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 la. Da di da di da di da di do. Di du di di du di di du du. Il n'y a pas les outils comme de Gartic Phone, de cercle ou de forme géographique. Donc du coup, c'est nimp nimp. Voilà. Bon. Mais que j'aco. Que j'aco. Que j'agogo. Ah. Presque, Devil Olive. Presque, presque, presque. Tu l'as presque. Ta-da-da-da. Oh, comment que je peaufine. Ah, bien, Devil Olive. Cool, c'était la balle de golf. Très bien. Oh, oh là là. Oh, le suivant. Attendez. Ah, c'est difficile de faire un truc... Hey, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Quick. J'ai le droit de faire ça. Normalement. Oui, bien, très bien. C'était le bac à glaçons. Oh la vache. Allez, je vous aide, c'est un verbe. Je vous dis tout de suite, c'est un verbe. Da
J'ose. C'est pas mal. C'est un verbe hein, qu'on cherche. J'aime bien. Alors attendez. Non, mais non. Mais alors juste le verbe. Juste le verbe t'as trouvé. Voilà. Merci. Donc l'autre gugu, je vais le mettre comme ça. Mais non. Mais non. Mais pourquoi? J'ai vu la bonne réponse, mais il faut juste mettre le verbe. Voilà, beauté. Bien. Botter le queue à quelqu'un. Oh putain, la vache. Alors, c'est un nom. C'est un nom. Ça peut désigner plusieurs trucs. Putain, la vache. Si je démarre comme ça, vous avez rien capté. Merdoum. Tiens, j'ai l'impression de faire la coiffe de Monsieur Derek. Yep. Le pif. Allez, je fais comme ça. Je suis très mal barré pour vous faire deviner le truc. Là, j'avoue, vous trouvez, vous êtes balèze. Normalement, c'est comme ça. Waouh. Oh, le pauvre, il est jaune. Attendez. Voilà, s'il vous plaît. Non, mais non. Mais non. Je cours à la cata. Je cours à la catastrophe. J'ai peur que vous pigiez pas. Non, mais pourquoi j'ai le sentiment que le truc est fermé et c'est pas le cas? Ah, c'est chiant avec leur cadre à la CON. Oh, non, mais non, j'ai pas le temps de dessiner le truc. Contrôleur. Alors, contrôleur dur, j'aurais dû faire un train avec les billets, mais j'ai pas le temps. Et je voulais faire une carte contrôleur en informatique. Mais je cherchais midi à 14h. Oh, facile. Alors le dernier, facile. Facile. Attention, soyez rapide parce que vous allez vous déchaîner. Comme dans un dessin animé. Avec des sticouleurs. Oui! Twinsen, bravo! Ah, bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, viens, Twinsen, du coup. Une courte tête. Tu remportes en rapidité la partie là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrête là maintenant. Je vais en pause déjeuner. On se retrouve en début d'après-midi. Ou est-ce qu'on refait encore une partie de dimanche, si ça vous dit? Vous préférez quoi? Ah, t'es sur le parking de course en plus. Il y a un écho. C'est possible. C'est possible parce que j'ai eu un faux départ ce matin Là, il n'y a peut-être plus d'écho. Non, il y a un écho quand même. Je verrai ça pour la reprise de cet après-midi, le coup de l'écho. Voir ce qui va pas. Parce que j'ai un peu démarré à l'arrache. J'ai profité pour faire une bonne grasse mat et ça m'a fait du bien. Donc, une autre partie où on en fera peut-être une l'après-midi quand j'aurai Tomb Raider 3 ou pas? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, ça va, je peux encore tenir un petit peu avant d'aller me faire miam miam. Ce qui m'arrange, oui, vous êtes neutre, Devil Olive. Neutre. Oui, puis une scène qui est sur le parking des courses. Ouais, j'aurai plus de monde cet après-midi. Ouais, bah je vais arrêter là.
On en refera cet après-midi, après une bonne session de Tomb Raider 3. Mais c'était cool, c'est bien, merci d'avoir joué. Au moins, je me suis accaparé l'interface de du Gartic Show. Voilà. J'ai l'air idiot avec ce câble. Enfin, ce câble, cette ficelle de chapeau de cow-boy. Bon, merci à vous d'avoir été là. Cet après-midi, j'adore mes citations. Je me fais rire moi-même. Attendez, je quitte le plein écran dans le navigateur. Oui, c'est pas grave, les points de jeu, c'est pas grave. On sera une autre session cet après-midi. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour du Tomb Raider tout à l'heure. Je sais pas, vers 14h, 14h30. Je me bouscule pas. On est tranquille. Peinard, relax, c'est le week-end. Merci à vous d'avoir été là. Est-ce que je vous fais un petit raid? Certainement. Oh, dans la pure tradition Twitch. D'ailleurs, je suis en train de voir que je suis sur une page de quelqu'un que je connais pas. Qui... Je devais dormir et il y a dû y avoir un relais de chaîne que j'ai pas suivi. Attendez, coupez le son. Tac, 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 tac. Chez qui je peux vous faire un relais de chaîne en attendant pour la pause déjeuner? Moi, chez l'ami Récif, fait du Ghost Runner. Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est le truc de sabre hyper nerveux. Ah bah voilà, je vous envoie chez Récif pour la pause déjeuner. Il adore ce garçon. Et je vous retrouve à partir de 14h, 14h30. Enfin bref, les habitués, vous savez. Et je ferai du Tomb Raider 3. Bon app à vous. Bisous tout plein. Merci à vous d'avoir été là. Allez-y, je lance le raid. Chez Récif. Ah non, il faut que j'attende 8-10 secondes. Ah. Et les anonymes, je vous oublie pas, ou ceux qui regardent l'Ardif sur YouTube, merci à vous d'avoir regardé, et j'espère que le contenu vous plaît, évidemment. J'essaie de... Comment dire? De proposer des choses variées. Et voilà, voilà où. Allez, bisous. À cet après-midi. Go, Récif. Chez Récif. Chez l'ami. Récif. Ah. Chez Récif. Oui, le sage. Et l'eau.